Ils sont jeunes, riches et célèbres. Charles Nzogbia, Elliot Grandin et Johan Gouffran sont des stars du ballon rond. Et à 25 ans seulement, ils gagnent plus que des grands patrons du CAC 40. En moyenne, pas moins. Je sais pas, on va dire 100 000 euros, un truc comme ça. Alors pendant leurs seules vacances de l'année à Miami, ils entendent bien en profiter. On a payé 6 000 euros pour 10 jours. On sait que dans l'enfant, on n'aura pas d'entraînement, quoi que ce soit, on n'a pas d'obligation. On essaie de s'amuser au maximum. 5 000 euros de champagne en une seule soirée, garde du corps. C'est ma trousse de travail. C'est en cas d'urgence, pour immobiliser les gens. La grande vie, mais à 25 ans, ils préparent déjà l'après-carrière. S'ils sont ici, c'est aussi pour investir dans l'immobilier. Des appartements qu'une fois propriétaires, ils loueront entre 3 000 et 6 000 euros la semaine. Ouais, pas d'équivalent, je pense, à Miami et pas tellement d'équivalent dans le monde. Alors à quoi ces stars du foot occupent-elles leurs vacances? Comment ces jeunes gèrent-ils leur célébrité? Malgré leur portefeuille bien garni, parviennent-ils à garder les pieds sur terre? C'est pour ma maman. Il y a son nom, sa date de naissance et un petit mot pour elle en dessous. Je t'aime, maman. Voilà. Hello, we are going to the sales center. Oh, sorry, I need your phone number, please. So you're coming to sales office. Let me give them a call, please. C'est extrêmement sécurisé. Ça veut dire que même en tant que résident, si vous oubliez vos clés et que vous ne connaissez pas le doorman, vous pouvez avoir un peu de mal. Un immeuble sous haute sécurité, c'est le quotidien de Michael. Hello. Good and you. Depuis 6 ans, ce Français est agent immobilier spécialiste du haut de gamme à Miami. Gardien, portier, il faut montrer patte blanche avant de pénétrer dans ces appartements d'exception. Donc là, on est au penthouse de Epic pour faire de la prospection pour une certaine clientèle. Et donc, on est à la recherche de produits exceptionnels. Donc ici, c'est le penthouse. À peu près 450 mètres carrés qui offre une vue panoramique sur tout Miami Beach que vous pouvez voir ici. Un appartement grand comme un hall de gare. 450 mètres carrés sur 3 étages, une cuisine équipée grand luxe. Micro-ondes, four à convection, machine à café et je ne sais quelle machine ça peut être. Frigo à vin. 2 dressings de 30 mètres carrés chacun et une salle de bain avec vue sur la baie, elle aussi. Cette salle de bain, vous avez cet écran plasma qui est intégré au miroir. Mais le point d'orgue de l'appartement se trouve sur le toit de l'immeuble, au 34e étage. La vue, la terrasse, la piscine, oui, c'est exceptionnel. Une terrasse de 150 mètres carrés avec une piscine privée et une vue imprenable sur tout Miami qui justifie le prix exorbitant de l'appartement. Ils annoncent un prix de 8,5 millions. Presque 6 millions d'euros, une somme que seule une clientèle de riches industriels ou de stars fortunées pourra débourser. En témoigne le parking de l'immeuble où se bousculent les grosses cylindrées. Et ses riches clients, Michael les a dans son carnet d'adresses. Ancien commercial chez un gros annonceur sportif, il utilise aujourd'hui son réseau de contacts pour vendre ses appartements. Sa clientèle, les footballeurs. Ah, la France, là, c'est dur, hein. Non, parce qu'il fait beau, il y a le soleil toute l'année. Il y a beaucoup de jeunes. À chaque fois qu'on vient ici, on s'amuse bien. Donc voilà, quoi. Je préfère acheter un appart ici plutôt que... en France où il n'y a rien, quoi. Chaque année, une vingtaine de footballeurs vient passer le mois de juin à Miami. Des salaires qui, en moyenne, avoisinent les 6 chiffres. Alors pour eux, on sort le grand jeu. Ce soir, c'est une soirée dans l'un des plus grands hôtels de la ville. Et Michael sait s'entourer. Ses partenaires, 2 anciens joueurs de foot, qui, s'ils n'ont jamais été dans les meilleurs, connaissent tout le gratin des footballeurs. Ces joueurs qui gagnent parfois, c'est vrai, qui ont des gros salaires, et qui ont envie de parfois justement avoir une vie de rêve entre guillemets. Et ici, il n'y a pas besoin de se cacher. On aime un bel appart, et bien on prend un bel appart. On aime des beaux restaurants, on mange dans des beaux restaurants. On aime des beaux vêtements, et bien on s'achète des beaux vêtements.
n'y a pas justement cette fausse modestie où les gens sont jugés. Et c'est pour ça que justement les gens aiment venir à Miami. Elliot Grandin est peut-être l'un des futurs clients de Michael. Ce soir, il doit visiter des appartements pour un éventuel investissement. Vraiment que ce soit un coup de cœur quoi, pour que je le prenne. Je vais investir entre 500 et 1. Parce que bah ouais, ça va pas être ma résidence principale, donc je veux pas trop investir non plus, que ce soit trop lourd, parce que la plupart du temps, c'est des autres personnes qui vont être dedans. À 23 ans, ancien joueur de l'OM, Elliot a rejoint depuis un an le club de Blackpool en Angleterre. Tous les ans, après sa saison de match, il passe ses vacances à Miami. Miami, c'est bien, mais c'est pas chiant. Hier, on a passé toute la journée à la piscine. Après, on est parti au resto. Après, on est sortis tous ensemble. On en profite, hein, parce qu'on rentre dans une semaine. Et dans deux semaines, c'est la reprise de l'entraînement. Deux tours ultra modernes et très en vue à Miami. Au 38e étage de l'une d'elles, l'appartement de Jennifer Lopez. C'est ici qu'Eliott doit visiter une dizaine de biens. Salut Eliott. Ça va? Ouais, et toi? Okay. Ouais, ça va, la forme. 150 mètres carrés en moyenne, du mobilier design italien, entre 550 et 700 000 euros. De bonnes affaires, mais qui ne répondent pas à l'exigence première d'Eliott. Ils en ont comme ça avec des Waterview. Hein? Ils en ont comme ça avec des Waterview. Avec des Waterview, c'est le coin là-bas. Car ce que désire avant tout Elliott et ses amis footballeurs, c'est un étage élevé avec une vue imprenable sur la mer. My mother will be scared if I buy this one. Hein? Elle a peur du vide. Yeah. Ouais. Je pensais qu'une fois que j'allais être footballeur, j'allais vivre dans une grande maison. Je me retrouve au milieu de buildings encore. Parce qu'avant, t'habitais dans une cité? Ouais, j'habitais dans une cité. Où ça? À la Pierrosée. Ça s'appelle la Pierrosée. Elliott a fait du chemin depuis sa petite banlieue de Caen. S'il achète l'un de ses appartements, il bénéficiera de tous les services d'un hôtel grand luxe. Salle de gymnastique avec tout l'équipement dernier cri, salle de billard et de poker, spa ultra design que nous ne pourrons visiter pour ne pas déranger les résidents. Et bien sûr la piscine incontournable, la plus grande piscine suspendue de Floride. Ouais, c'est difficile là, il y en a trois que j'aime bien. Moi on va dire deux, allez, deux que j'aime vraiment bien. Donc je vais tous les prendre en fait, je crois. Je vais y réfléchir. Quelques dizaines de milliers d'euros d'écart entre chaque appartement, mais qui ne sont pas un argument. À 23 ans, Elliott a les moyens. Il y a quelques mois, c'est Charlène Zogbia qui achetait son appartement à Miami. 460 000 euros, payé comptant. Miami, c'est quand même une ville que j'adore et que, on va dire, je viens souvent ici, donc je me suis dit, il faut que j'achète quelque chose. Je trouve que, on va dire, un endroit à un pied sur terre à Miami, donc on m'a bien conseillé. Je pense que je suis vraiment satisfait d'avoir acheté cet appart. En salle de bain aussi ici. Charles joue en Angleterre et depuis plus d'un an, il est sélectionné en équipe de France. En moyenne, tu gagnes combien par mois? En moyenne, par mois? Bon, je sais pas, on va dire 100 000 euros, un truc comme ça. Une vie dorée, où qu'il aille, même au bord de sa piscine, Charles est suivi de près par Lionel, un garde du corps à son service, depuis deux ans. C'est ma trousse de travail. C'est en cas d'urgence, pour immobiliser les gens. Et là, on a l'insigne, l'arme, tout ce qui est utile pour protéger mon client. Des stars du foot qui gagnent des sommes folles. Johan Gouffran joue aux Girondins de Bordeaux. Et s'il n'a pas encore investi à Miami, il pourrait bien être le prochain sur la liste. Pour le moment, il est logé dans un magnifique hôtel, 400 euros la nuit, mais il sait que cette belle vie ne durera qu'un temps. Ouais, non, j'ai acheté deux, trois appartements, des villas, comme, des choses comme ça à l'étranger pour investir. Ouais, après, il faut savoir ce qu'on veut dans la vie aussi. C'est bien de se la raconter, de dire ouais, j'ai de l'argent, mais après, c'est une carrière, c'est court, ça dure 10-12 ans à peu près. Il faut penser à l'après
si t'as rien, si t'as pas de diplôme, si t'as pas investi, bah, tu perds vite ton argent et tu te retrouves sans rien. Pendant 3 semaines, les footballeurs vont enchaîner farniente. Fête, football et visite d'appartement. Donc Will vient vous chercher à 14h30. Parce que pour voir 2 immeubles bien, ça prend un petit peu de temps. 2 joueurs signeront d'ailleurs une promesse de vente, dont Elliot, séduit finalement par le duplex. Il est d'ailleurs de retour en ce moment même à Miami pour une seconde visite.